Hello, hello, c'est Greg et Ursula, l'équipe du matin Vibration. Salut! Aujourd'hui, bon plan spécial dentifrice, bon plan spécial économie de dentifrice et surtout, comment ne pas jeter un tube de dentifrice puisqu'on sait toujours qu'il en reste, sauf que, comme ça, sur la brosse à dents, à en mettre, sauf que, il en reste toujours. Et même là, en touchant, on sent qu'il en reste, mais même si on fait comme ça, on va pas pouvoir le remonter, ça va être galère. Même si on l'enroule, le dentifrice, ça va être galère, on va pas pouvoir faire remonter le dentifrice qui reste. Ceci dit, Tati Ursula a la solution. Quelle est la solution? Mon petit peigne, mes cheveux pleins de nœuds. Alors, c'est une super technique, c'est-à-dire que vous allez prendre un peigne, si possible avec un plat comme ça, ou une règle, quelque chose d'assez dur. Ouais. Et là, regarde le truc. Bon. Non. Regarde le plat du dentifrice. Je sais pas si vous allez voir. Bah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Vous pouvez faire le test, franchement. Là, tu repars pour un bon moment. Regarde tout ce qu'on récupère. Ah, pour un bon moment, moi, ça me fait deux jours, ça. Là, on récupère tout ça. Et ce qui est fort, c'est que pour une fois, vous allez tester. À la fin, vous allez ouvrir votre tube de dentifrice, l'écarter et voir. Avec cette technique, donc je ça veut dire que là, y a plus rien du tout dans votre tube de dentifrice à la fin. Et j'imagine que là, si on met une petite barrette à cheveux, au moins, il va pas se barrer quand on va appuyer. Ouais, mais au pire, tu recommences tu sais, jusqu'à la fin, vraiment. Et donc, ça veut dire que si j'ouvre, ça veut dire que j'ai le dentifrice qui vient directement. Ah oui, là, t'en as encore pour un petit moment. C'est good. Mais merci. Voilà, c'est comme ça. Le bon plan vibration chaque jour en mode tuto.